15e enfant de François Ier de Lorraine, empereur du Saint-Empire romain germanique, et de Marie-Thérèse de Habsbourg, archiduchesse d'Autriche, Marie-Antoinette Joseph-Jeanne grandit à Vienne. Guidée par la stratégie matrimoniale de sa mère pour une réconciliation franco-autrichienne, elle épouse à 14 ans Louis-Auguste de Bourbon, futur Louis XVI, couronné roi de France et de Navarre 4 ans plus tard. Exit alors la dauphine docile et réservée. Sa Majesté donne le ton à Versailles. Se trouvant être une véritable inspiratrice dans tous les domaines, architecture, aménagement paysager, artisanat, ou encore la mode, pour laquelle elle développe un intérêt particulier, aux côtés de ses passions pour la musique ou encore le théâtre, qu'elle pratique régulièrement dans l'intimité. Première égérie de l'histoire, aidée de sa styliste Rose Bertin, elle bouscule les codes, préférant l'extravagance et le confort de ses tenues au grand habit de cour, mais aussi en introduisant les notions de temporalité et de changement saisonnier. Habituée au cérémonial moins rigide des palais autrichiens, la reine supporte mal les contraintes de l'étiquette versaillaise et recherche une vie plus authentique. Elle finit ainsi par se retrancher au petit Trianon, offert par son royal époux, où elle s'entoure d'un petit cercle d'amis. Parmi eux, le comte suédois Axel de Fersen, avec lequel on lui prête une relation amoureuse. Elle lui déclare dans une lettre « Rien au monde ne pourra m'empêcher de vous adorer jusqu'à la mort ». De son union avec Louis XVI naissent 4 enfants, dont le premier après 8 longues années d'attente. Mère aimante et remarquablement impliquée pour une souveraine, elle utilise notamment le hameau, en partie dans un but pédagogique. Marie-Antoinette n'en est pas moins la cible permanente de Quolibet. Quand elle n'est pas fustigée pour son attitude désinvolte et ses dépenses effrénées qui lui valent le surnom de « Madame Déficit », le tout entaché par la sombre affaire dite « du collier de la reine ». Les tumultes de la Révolution française ne l'épargnent donc pas. Son destin est désormais lié à celui de son mari et à celui de la monarchie absolue. Elle écrit d'ailleurs à son frère, l'empereur Léopold II, « Je sais que c'est le devoir d'un roi de souffrir pour les autres. Mais aussi, leur obéissons-nous bien, puisse-t-il un jour le reconnaître ?» Transférée à la conciergerie quelque temps après l'exécution du roi, elle endure un procès devant le tribunal révolutionnaire, qui la condamne à être guillotinée sur l'actuelle place de la Concorde, à Paris.